Bonjour les fines bouches. Pour répondre à un abonné qui a, avec insistance, demandé, je vais vous montrer comment je tente de réaliser des lasagnes. Je vais les faire au veau avec du parmesan. C'est pour moi une expérience. Parce que, je dois vous l'avouer, je ne suis pas un fan de la fabrication de pâtes. Donc, je vais tricher et je vais prendre des pâtes au supermarché. Ça répondra aussi à la question de certains qui disent « il achète au supermarché ». Oui, on achète au supermarché. Parce que là où on se trouve, s'il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de pâtes. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ces lasagnes au veau? On a besoin donc de feuilles de pâtes à lasagne. Promis, un jour, je vous ferai des vraies pâtes fraîches. Mais ça ne sera pas en plaques. Ça sera en tagliatelle, éventuellement en spaghetti. On aura besoin donc du veau, un oignon avec deux os, une béchamel que je viens de réaliser, assez épaisse, parce qu'après on va devoir l'étaler entre les couches. Et il ne faut pas qu'elle se disloque trop pendant la cuisson. On aura besoin de coulis de tomates, sel, poivre, de l'huile d'olive, un plat à lasagne et roule ma poule, on commence la recette. On allume le feu, on va mettre dans la casserole l'huile d'olive. Donc, on a ciselé l'oignon, émincé l'ail, on fait chauffer l'huile d'olive, on fait revenir ces deux éléments dans l'huile d'olive pendant 5 minutes jusqu'à coloration. On se revoit à coloration. Pardonnez-moi, j'ai le sourire, c'est parce que pendant la pause, Gilbert raconte des vannes et tout, il est drôle, si vous saviez. Alors, donc, l'oignon et l'ail a bien rissolé. Là, on va mettre le veau haché. On va bien mélanger. Et ça, on va le faire suer 5 minutes. Si vous voyez que ça accroche un peu comme ça, c'est que ou le feu est trop fort, ou il manque un petit peu d'huile d'olive. On rigole pas avec l'huile d'olive. Au bout des 5 minutes, où tout est bien revenu, là on va donc ajouter notre coulis. On va saler et on va poivrer. On met à feu doux, très doux. Et on va laisser mijoter 15 minutes. Donc, pendant ce temps-là, on va faire cuire nos feuilles de lasagne du supermarché. Et puis, on va ensuite se retrouver pour le dressage. A tout de suite, les amis. J'ai fait cuire mon veau. Je l'ai laissé un petit peu refroidir pour pouvoir faire le dressage. Le dressage, vous commencez par une couche de béchamel que vous étalez bien tout au fond. Vous mettez une couche
de veau. Avec le coulis, hein. Et là, vous prenez une première plaque avec les pâtes que j'ai presque fait moi-même. Et vous mettez une couche de pâte, comme ça. Vous remettez une couche de béchamel, vous remettez une couche de veau, une couche de pâte. Et vous finissez par une couche de béchamel sur laquelle on va mettre le parmesan. Donc on se retrouve au moment où je mets le parmesan. Je continue à dresser tout seul. A tout de suite. Je viens de finir de monter toutes les couches. Sacré boulot, hein. Mais dans la vie, il faut savoir être un bâtisseur. J'ai allumé le four sur 180 degrés, chaleur tournante. Je parsème le dessus avec du parmesan, d'où le veau au parmesan. Avec ce que je viens de renverser, je pense que l'année prochaine, on va avoir des parmesaniers super beaux. Là, on va enfourner pour 25 minutes à 180 degrés. Dans 25 minutes pour moi, je suis avec vous. Et on verra ce que ça donne en matière de couleur, en matière de... Et puis on le découpera, puis on verra. À tout de suite. Voilà. Sorti du four, le plat de lasagne, le parmesan a fondu, bruni par endroits, encore un peu en poudre à d'autres. La vraie cuisine classique, quoi. Ça, c'est la sonnerie de mon téléphone que j'ai oublié de couper. C'est pas grave. Là, je vais essayer de détailler une pièce. Voilà les fines bouches, lasagne au veau et parmesan au panier d'un petit mesclun. Moi, je le mange avec de la salade. Il y en a d'autres dont je tairai le nom qui sont en train de me filmer. Ils mettent un peu de riz, un peu de pommes de terre, etc. pour accompagner. Mais la salade, ça va très bien avec. Alors, je vous dis, essayez, testez. Envoyez-moi. Mensonge et honte. Et puis surtout à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?